Aujourd'hui, plus que jamais, la vie numérique fait partie intégrante de la vie tout court. C'est pourquoi personne ne doit être laissé de côté. Nous, opérateurs télécoms, nous engageons en faveur de l'accessibilité au numérique de tous les publics. Depuis plus de 10 ans, nous menons des actions concrètes en ce sens. En 2019, par exemple, nous avons émis 16 457 supports papier et 14 050 factures accessibles en les imprimant en braille ou avec des caractères agrandis. Nous travaillons par ailleurs à rendre la totalité de nos boutiques accessibles. 97% le sont déjà aujourd'hui et chaque nouvelle boutique est construite ou rénovée en respectant les dernières normes. Ceci s'accompagne d'une sensibilisation à l'accessibilité auprès de nos salariés. 9000 forces de vente ont ainsi reçu des formations spécifiques afin de toujours accueillir mieux tous nos clients. En ligne, là où s'opère principalement la relation client, nous veillons sans cesse à l'accessibilité de nos sites web, de nos espaces clients et de nos applications. Cela s'est d'ailleurs traduit par une baisse des demandes de supports de communication ou de factures adaptées l'an dernier. Mais les télécoms, c'est aussi la téléphonie. Nous fêtons cette année les 2 ans du centre relais téléphonique qui a permis à nos utilisateurs sourds et malentendants de passer plus de 200 000 appels depuis son ouverture. En ces temps incertains que nous connaissons actuellement, les communications familiales, amicales ou professionnelles n'ont jamais autant compté. Et si nous pouvons continuer à communiquer, télétravailler, étudier et nous informer, c'est grâce au réseau de télécommunications. C'est donc sans relâche que nous poursuivons nos efforts afin que l'accès au numérique soit une réalité pour tous. Et ce, dès maintenant et pour toujours.